coucou les amis. Donc voilà, petite vidéo. Alors ça va être une nouvelle série que je vais débuter. Voilà, c'est juste pour s'aider en fait entre camping-caristes. Donc parce que je me dis c'est important quand même. Donc voilà, donc je vais vous présenter des aires de camping-car ou des aires de vidange, des endroits que je vais croiser par moi-même en fait, un peu partout. Donc je vais vous présenter tout ça. Et puis bah du coup comme ça je vais voilà quand je vais faire le tour un peu à droite à gauche tout ça. Bon pour l'instant ça va être surtout un peu dans le 35, la Bretagne, parce que bah quand je pars le week-end c'est surtout en Bretagne. Bah oui avec cet engin là je peux pas forcément aller partout en 2-3 heures quoi. Donc voilà. Donc bah c'est parti pour vous présenter la nouvelle série. C'est où qu'on dort, c'est où qu'on vidange. Donc ici nous sommes à Possé-les-Bois. Donc voilà l'aire de vidange, petite aire de vidange sympa. Alors j'ai eu l'occasion d'y venir plusieurs fois. Bon pareil, hein, je vais vous faire part des petits soucis que j'ai remarqués, dont le premier qu'on peut voir en arrivant, c'est qu'il y a quand même un petit trottoir. Ils n'ont pas fait de pente douce en fait. Donc voilà, ça remue un peu quand on monte dessus. Sinon voilà, vous allez pouvoir, on va visiter tout ça. Je vais mettre le camping-car à vidanger, petite aire de vidange sympa avec petit gizmo. Du coup je l'ai lâché un petit peu comme ça, ça lui permet de faire son petit tour tranquillement. Donc voilà, là bas vous allez voir il y a un petit parc pour les enfants pour jouer. Donc voilà, donc allez je vidange. Voilà, c'est en train de vidanger. Du coup je vous fais faire le petit tour du propriétaire. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Bon, moi j'ai eu l'occasion de dormir ici quelques fois. Donc par contre, on a une belle pelouse. Moi, je me garais en marche arrière par là. On a une belle petite pelouse là pour être tranquillou. La petite rivière qui va bien derrière. Dormir au fil de l'eau. Donc là, on est à Possé-les-Bois, c'est une petite commune. Donc il n'y a pas grand risque. Il n'y a pas grand monde à passer par là le soir. Il n'y a pas grand risque. Bon, il y a des lotissements à côté, comme vous pouvez le voir. Je vais montrer tout ça. Voilà, vous voyez, il y a l'église qui est juste là, quelques maisons par là, des maisons neuves un peu là-bas. Donc on est vraiment, on est en race campagne, donc on est en Ille-et-Vilaine, dans le 35, autour de Vitré. Donc Vitré, il n'y a pas d'air de camping-car, ni d'air de vidange, donc du coup, il faut venir ici. Et bon, elle est plutôt pas mal, ça va. Voilà, donc la petite rivière, les barrières blanches, là, les poteaux blancs n'y étaient pas la dernière fois que je suis venu, donc c'est bien. Ça veut dire que bah, ils entretiennent ou ils font attention à la sécurité, donc c'est pas mal. Voilà. Et pour les enfants, s'ils veulent se divertir le soir pendant que papa et maman préparent le dîner ou prennent l'apéritif, voilà le petit parc pour faire du foot, du basketball, la petite piste pour courir. Il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Alors le seul petit hic, donc ça c'est bien pour les familles, mais par contre pour les couples ou les personnes seules qui veulent être au calme, il peut y avoir pendant les périodes de vacances scolaires des jeunes traînés ici un petit peu le soir. Après, voilà, moi quand j'étais là, quand je suis venu ici à 22-23 heures, déjà ils commencent à rentrer. C'est surtout des jeunes enfants, des enfants de 12, 13, 14, 15 ans. Bon voilà, et puis on reste en campagne, donc c'est pas des gros loupards non plus. Hein. Ils viennent bon, un petit peu de scooter, un petit peu de mobilette, mais voilà. Donc voilà, la petite aire de camping-car. Et petite aire de vidange de Possé-les-Bois. Pour la première vidéo, donc ce sera des vidéos format très très court. Hein. Et donc, parce qu'il n'y a pas non plus des heures et des heures à polémiquer sur une aire de vidange ou pas. Donc voilà, donc vous me dites si ça vous plaît ce genre de format. J'essaierai de les répertorier par département, voire par région, tout ça. Je vais essayer d'en faire pas mal au fur et à mesure du temps. Et puis voilà, donc surtout si vous voulez suivre un peu ces aires de camping-car et ces aires de vidange, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez les endroits que je vous montre. Si vous avez des endroits que je ne connais pas ou que je n'ai pas montré dans une ville ou dans une commune, n'hésitez pas surtout à faire part dans les commentaires, à me dire « Ah bah t'as oublié, il y avait celle-là aussi, nous on connaît celle-là ou on connaît ce coin-là, c'est pas une aire de vidange déclarée, je veux dire, pas une aire de camping-car déclarée, mais on peut y dormir, tout ça. » N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi, je suis toujours, ben voilà, j'admets mes erreurs aussi, et puis je sais, voilà, je sais reconnaître mes erreurs, et puis bah ben, sinon, c'est l'occasion d'y retourner, de refaire un, ben voilà, de montrer l'endroit aussi.
Donc voilà, donc n'hésitez pas. Puis bah, si vous aimez la vidéo, likez, ça fait toujours plaisir de se sentir encouragé dans ce qu'on fait. Je sais que bon, j'ai pas des montages très sympas des fois, très agréables aussi à regarder. Voilà, à côté de ça, bon, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ces petites vidéos, à vous montrer tout ça. Et puis voilà, c'est juste par plaisir que je le fais. Je, pour l'instant, voilà, je ne cherche pas à gagner ma vie ou à faire des millions de vues, des milliers de vues. Moi, je suis content, les gens s'abonnent petit à petit, je suis à 160, un peu plus de 160 abonnés, ça me fait plaisir, hein. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour voir bah, les nouvelles vidéos, que ce soit cette série-là ou bah, la série de vidéos de voyage. Voilà, allez, bon, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aires de vidange.